Hey les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'est pas tout seul, on est avec simplement le commissaire Dog. Les amis, il y a un truc qui s'est passé dans la ville, c'est très urgent. Bon, commissaire Dog, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi tout. Ben là, il s'est passé un truc de dingue. Ouais, je sais, tu m'as dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est où et tout? Qu'est-ce qui s'est... Ben explique-moi tout. Ben en fait, je suis arrivé, on m'a appelé et je suis allé vers l'école et il y a eu des meurtres, il y a eu des gens qui sont morts. Quoi, des personnes qui sont mortes vers l'école là-bas? Mais il y a des enfants là-bas, c'est ça doit être trop triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a combien de morts? Il y a 4 morts, il y a, comment il s'appelle, Alberto, il y a Chase, et tout plein de personnes. Okay, faut que tu viennes voir à Waris. Ok, vas-y, on va aller voir. Alors, je sais pas les amis si j'ai ma voiture. Ok, c'est bon, j'ai ma voiture parce que je l'avais utilisée pour une vidéo Talcato, les amis. Du coup, vas-y, rentre dans la voiture, hop. Bah attends, tiens, on va descendre parce que du coup, faut que je ferme le portail. S'il veut bien se fermer. Ok, les amis, c'est bon, il est fermé. Vas-y, rentre dans la voiture, c'est parti, les amis. Du coup, on va reculer là et c'est parti, on va aller simplement à l'école. Du coup, je vais passer sur la gauche, les amis. Du coup, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais avant, les amis, qu'on arrive à l'école, n'hésitez pas simplement à vous abonner, activer la cloche de notification, pardon, et simplement de mettre un maximum de pouces bleus. Commissaire Dog, il faut combien de pouces bleus là pour une prochaine vidéo? Ah, 5000? 5000, ok. Ah non, c'est pas là, c'est devant l'école. Alors, les amis de l'école, c'est plus, ouais, bah attendez, on va passer comme ça. Il faut 5000 likes, les amis. Du coup, mettez tous 5000 likes, ça fait plaisir. En ce moment, vous arrivez tous à faire les défis. Du coup, on va voir même les amis, c'est quoi? On va mettre un peu le défi un peu plus dur. On va mettre 6000 likes. Allez, 6000 likes, les amis. Vous cliquez tous sur le petit bouton j'aime là. Je vous laisse quelques secondes là et pour me dire, ah bah oui, c'est fait dans les commentaires, vous avez réussi le défi. Du coup, ouais, je vous laisse quelques secondes le temps qu'on arrive à l'école. Regardez, l'école est juste ici, les amis. Ok, je vais me carrer là, hop, tac, c'est parti. Allez, on descend, on va aller voir ça. Ah, il y a des plots, c'est vous qui avez placé les plots? Oui, j'ai tout quadrillé parce que il fallait protéger la zone. Ouais, c'est vrai que les amis, il faut protéger la zone. Regardez-moi ça, oh là là, il y a combien de morts? Un mort, deux morts, trois, quatre. Ok, les amis, donc là, c'est qui? Ok, donc ici, les amis, on a Alberto, les amis, qui est mort, les amis. Ok, ici, on a quoi? C'est qui, ça? Ah, c'est Taz. Ah oui, les amis, regardez, c'est Taz, ami Taz, qui est mort aussi. Ici, c'est qui ça? Ah, c'est Julia, ça. C'est Julia. Ouais, je crois que c'est Julia, oui. Julia qui est mort, les amis. Et ici, c'est qui? Ici, c'est Chase, les amis. Ok, donc, les amis, on a Chase, Julia, Taz et Alberto qui sont morts, les amis, devant l'école. C'est du grand n'importe quoi. Mais à votre avis, c'est passé quoi, monsieur le commissaire? Ils ont dû prendre une balle ou quelque chose comme ça. On est encore en train de mener l'enquête. On a des suspects. Ok, ok. Ah, vous êtes des suspects? Vous avez combien de suspects, monsieur commissaire Dog? On a 3 suspects, on a Ruben, on a Lola et ouais. On a Lucas. Et Lucas, ok, ok. Bon bah ce que je vais faire au pire des cas c'est qu'on prend la voiture, on va direction le commissariat et simplement je vais interroger toutes les personnes comme ça les amis. Inspecteur Awariz va se mettre du service les amis et c'est parti. On va essayer simplement de trouver le coupable les amis de qui a tué ces 4 personnes. Par contre qu'est-ce qu'il fait commissaire Dog? Tu penses que je vais venir te chercher ou quoi là? Ok, bon, sinon, allez-y, je vous rejoins sur place. Ok. Non, mais bah, venez dans ma voiture, non? Bah, du coup, là, oui, okay. C'est bon. Mais, les amis, du coup, c'est bon, il est vraiment bête. Bon, du coup, c'est parti, les amis, on va simplement aller au commissariat. Alors, du coup, là, j'ai perdu un peu la route, je ne sais plus où il est, le commissariat. Bon, je vous cache pas, les amis, que je ne connais pas forcément la route par cœur. Attendez, les amis, là, il y a la maison de retraite, je crois qu'il faut tourner, les amis, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il fallait tourner juste là. On va aller voir, les amis, espérons que je me trompe pas. Et je me trompe ou pas, la commissaire Doc? Je ne sais pas, ce sera la grande surprise. Ouais, c'est vrai que ce sera la grande surprise, les amis. Pour l'instant, normalement, j'ai pas. Non, je crois que le commissariat est juste à gauche. Ok, c'est bon, les amis. Je ne me suis pas perdu pour une fois, ça fait plaisir. Hop là. Du coup, on va se garer juste devant le commissariat, les amis. Hop, voilà, juste ici. Du coup, c'est parti, les amis. Le commissariat est juste là. Bon, du coup, dites-moi, ils sont où les prisonniers, monsieur commissaire Dog? Comme d'habitude Ils sont prêts, ouais, comme d'habitude. Ok, bon, bah vas-y, je vais y aller. Bah, je vous laisse à vos occupations. Moi, je vais aller voir ça. Bon, du coup, les amis, c'est parti simplement. Je vais monter en haut. Du coup, alors pour ceux qui ne connaissent pas, les amis, simplement il y a eu 4 morts. La dernière fois, il n'y en a eu qu'un seul. Et regardez, ici on a la salle, les amis, pour voir simplement qui a tué qui simplement est le grand tueur de ces 4 personnages. C'est la première fois qu'il y a autant de morts simplement dans un épisode, les amis, de personnes qui ont été tuées. Regardez, ici on a le mur, les amis, des prisonniers qui vont simplement venir un par un simplement et bah, expliquer simplement leur histoire. Du coup, commissaire Dog m'a donné les informations comme quoi simplement le crime s'est passé du coup à 16h, les amis. Donc ça veut dire l'heure du goûter, etc. L'heure où simplement bah, les enfants puissent sortir de l'école, les amis. Du coup, là, en tout cas, mettez un maximum de likes. Je compte sur vous, les amis, pour un épisode 3. Ça serait super cool. Et nous, c'est parti, on va aller dans la salle, les amis. Des personnes qui sont peut-être soupçonnées, les amis. Et on va aller voir simplement comment ça se passe. Alors, hop, c'est parti, ça doit être là. Bonjour. Alors, du coup, alors ça, c'est Ruben, c'est ça? Non, moi, c'est Marcus. Ah, c'est Marcus, du coup. Bon, bah, le commissaire Doc s'est trompé, les amis, c'est Marcus. Ensuite, on a qui? Là, on a Lucas, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est moi. Ok, et là, on a Lola. Salut, Lola. Salut, Awariz. Bon, du coup, je vous explique, tous les trois, vous êtes soupçonnés d'avoir peut-être tué les 4 personnages, du coup, Taz, Alberto, Julia, et le dernier, je sais plus qui c'est, les amis,
Attendez, c'est qui le dernier là déjà qui vous a dit ou pas c'est qui était mort? Ben non. Non. Ah, les amis, c'était un petit test pour savoir si quelqu'un allait me dire. Ça aurait pu être directement lui qui était soupçonné. Bon, je vous laisse ici, je vais vous appeler un par un. Et du coup, simplement, vous allez tous écrire, tous expliquer votre histoire. Et après, on verra qui c'est tué. Bon, du coup, c'est parti, les amis. Les abonnés, n'hésitez pas aussi à jouer avec moi et à deviner, pourquoi pas, qui est le tueur. Simplement, vous pouvez deviner tout de suite, les amis. Bien sûr, ne trichez pas quand même, sinon, c'est pas du jeu. Ne trichez pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est simplement Lola, Ruben. Ruben, non, c'est Marcus, les amis. Si c'est Lola, Marcus ou simplement Lucas, les amis. En tout cas, moi, je vais me poser juste ici. Et du coup, le premier qu'on va faire entrer, c'est simplement Marcus. Marcus qui va nous dire son histoire. Salut. Salut, Marcus. Bon, du coup, Marcus, explique-moi, tu étais où à 16h là? Déjà à 16h, moi j'ai commencé, j'ai pris mon goûter parce que j'avais faim. Ok. Après, moi je suis allé faire une partie de foot avec mes copains. Donc il y avait Wilfried. Du coup, avec la patte patrouille et tout? Ouais, il y avait aussi quelqu'un que j'ai rencontré, il s'appelle Wilfried. Il aime les pattes, si tu veux savoir. Ok, Wilfried qui aime les pattes, d'accord. Mais alors, il y avait qui comme patte patrouille qui joue au foot avec toi, s'il te plaît? Je serais curieux de savoir. Alors, il y avait pas Chase, je sais pas où il était. Ok, donc Chase n'était pas là, Chase. Il y avait tout le monde sauf lui, mais je sais pas où il était. On soupçonne qu'il était en train de manger, mais... Ok, donc Chase, les amis, comme par hasard, n'était pas là. Dis-moi, est-ce que tout simplement vous avez gagné le match de foot? Oui, on l'a gagné, il y avait 2 à 3. 2 à 3, ok, bon les amis, ça va, ils ont gagné le match de foot, donc peut-être qu'il y aurait eu une... S'il aurait perdu, les amis, il y aurait peut-être une raison qui s'énerve, etc. contre Chase. Ok, mais du coup, alors simplement, avant le goûter, est-ce qu'il était là, Chase, ou il est parti à quel moment? C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Vers midi, on l'a vu, il était en train de, je crois qu'il rangeait sa chambre, et après, il est parti, mais je sais pas ce qu'il a fait. Ensuite, il est parti, ok, et il vous a pas dit où il est parti, simplement? Non, il est parti, il a pris la voiture, et je sais pas. Ok, bon les amis, simplement, ils ont pas d'infos sur où il est parti, etc., du coup, bon, c'est plutôt bizarre. D'accord, est-ce que tu as d'autres choses à me préciser ou pas, Chase? Non. Marcus, pardon. Non, j'ai pas grand chose. Après, sinon, j'ai mangé des pâtes à midi. Oui, bon, ça, je m'en fous un peu de ce que t'as mangé à midi. Et en goûter, t'as mangé quoi en goûter? Alors, il y avait un pain au chocolat et il y avait aussi du lait. Du lait avec un pain au chocolat. Ok, bon, les amis. Bon, dites-moi dans les commentaires, les amis, ça a fait un gros débat. Mais est-ce que vous êtes type pain au chocolat ou type chocolatine, les amis? On va voir c'est qui les vrais. Moi, personnellement, je suis pain au chocolat. Bon, en tout cas, Marcus, y a pas de souci. Je te laisse aller voir tes collègues et tu m'appelles simplement Lucas, s'il te plaît. Ok. Alors, okay, Lucas. Ça va être au tour de Lucas, oui. Les amis. Ok, donc c'est parti, Lucas est juste ici. Ok, salut Lucas, comment ça va? Ça va bien et toi, Maurice? Ça va super, bon du coup Lucas, explique-nous qu'est-ce que tu faisais simplement vers l'heure de 16h, pardon. D'accord, déjà ce matin je suis parti à l'école. Ok, donc t'es allé à l'école, ok, ouais d'accord, oui. Puis entre midi et deux je suis allé à la cantine et cet après-midi j'ai joué à la récré avec mes copains. Ok, donc t'as joué à la récré avec tes copains, du coup, à l'école, etc. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y avait qui dans la cour de récréation? Il y avait toute la patte patrouille. Ok. Il y avait Taz, il y avait Alberto. D'accord. Ok, bon, d'accord. Bon, du coup, les amis, il a dit qu'il y avait toute la patte patrouille. Ça serait peut-être déjà un petit mensonge parce que il y a Marcus qui nous a dit comme quoi la patte patrouille avait fait simplement un match de football juste avant vers la tour des pattes patrouilles. Peut-être que simplement les amis, Chase était bien à l'école, mais en tout cas la patte patrouille ne l'était pas. Du coup, est-ce que c'est Marcus qui ment ou c'est Lucas, les amis? Dites-moi dans les commentaires. Ok, donc ensuite vous avez fait le match. Enfin, du coup, vous êtes avec la patte patrouille, Taz, etc. Oui. Dis-moi, est-ce qu'il y avait Lola avec toi? Oui, elle était là. Ok, bon, les amis, on verra si... C'est à cache-cache. À cache-cache avec Lola, d'accord. Bon, les amis, on verra si Lola confirme ça, les amis, ou pas du tout. Si elle confirme pas, les amis, j'ai déjà un petit soupçon sur Lucas, les amis. Ok, d'accord. Et toi, t'as pris quoi comme petit goûter, Lucas? J'ai pris des chocolatines. Des quoi? Des chocolatines. C'est quoi, ça, chocolatine? C'est ce que les gens appellent pain au chocolat. Ah oui, les amis. Ok, bon, Lucas, les amis, c'est team chocolatine. Moi, personnellement, c'est team pain au chocolat. On va voir, les amis, s'il y en a qui sont de la team Lucas ou de la team Awaris, les amis. On va voir. Mettez-moi tous un petit commentaire. Bien sûr, quand vous êtes dans les commentaires, n'oubliez pas, les amis, de vous simplement vous abonner, c'est pas déjà fait, et de mettre un petit like. En tout cas, pour ceux qui sont pas abonnés, je vous conseille de vérifier, les amis. Parce que des fois, vous êtes abonné ou des fois, vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Du coup, c'est tout simple. Vous cliquez sur le petit bouton rouge où c'est marqué s'abonner. C'est totalement gratuit, les amis. Du coup, voilà. Alors, du coup, pas de soucis, Lucas. Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser et tu vas m'appeler simplement la prochaine, du coup, c'est Lola, d'accord? D'accord, Lola. Ok, bon, les amis, c'est ouais, parti. Ouais, j'arrive. Ok, il y a Lola qui est juste là, je vais m'asseoir. Hop. Salut Lola, comment ça va? Salut Awaris, ça va super et toi? Ça va super, moi aussi. Bon, du coup, Lola, explique-moi simplement. Alors, d'abord, je vais te poser la question de qu'est-ce que tu as fait à 16h, vers 16h en tout cas, et tu vas m'expliquer, du coup, voilà.
Alors, bon, je suis partie de chez moi un peu avant 16h, parce que ben, j'avais des choses à faire, je devais rejoindre mes copines, on a fait un peu de shopping, et on a fini tout ça, il devait être 16h30. Okay, du coup, voilà, 16h30, ouais. On a pris un goûter. T'as pris quoi comme goûter, toi? Une crêpe au Nutella. Une crêpe au Nutella, ok. Donc, les amis, déjà, c'est bien différent de Lucas et de Marcus. Ok, donc, est-ce que, dis-moi, t'as fait juste du shopping avec tes copines ou simplement est-ce que t'es allé à l'école aujourd'hui? Enfin, hier, du coup. Non. J'ai juste fait du shopping avec mes copines. Donc, t'es pas allé à l'école? J'ai acheté un nouveau haut, regarde. Alors, oui, il est très très joli ton haut, mais bon, on n'est pas là pour ça. Du coup, simplement, tu n'as pas fait de shopping, tu n'as pas fait de cache-cache avec, avec Lucas, du coup. Lucas, non, il m'a même pas parlé hier d'ailleurs. Ok, ok, bon, du coup, les amis, j'ai l'impression que Lucas nous a menti. Je sais pas, je pense que je vais demander à Marcus simplement si c'était vraiment vrai, etc. Mais alors, du coup, voilà, et t'as pas entendu, est-ce que t'as vu tout simplement, peut-être, est-ce que t'as vu les Pat Patrouille faire un football vers leur tour? Ben, en fait, à un moment, genre, on était en voiture et tout, et on reçoit un ballon sur la voiture. Ok, mais du coup, c'était. Il vient de ce ballon, pardon. Et ben je me suis énervée, du coup j'étais vers là où il venait, et là j'ai vu le Marcus, je crois il s'appelle. Ouais, c'est Marcus, ouais. Ouais. Et je l'ai vu, il était venu chercher le ballon. Ok, donc les amis. Du coup, je l'ai engueulé. Ça veut dire que les amis, Marcus a bien joué au ballon, simplement au foot avec ses amis. Que Lola, les amis, simplement, elle était bien là vu qu'elle a reçu le ballon sur la tête. Je lui ai demandé quand même, Marcus, c'est vrai. Appelle-moi Marcus s'il te plaît et rentre dans la salle. Ok, Marcus. Oui. Vas-y. Alors. Marcus, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment tu as joué simplement au football et que tout simplement vous avez mis un gros coup dans le ballon et que le ballon a atterri sur une voiture de quelqu'un? Oui. La voiture elle était rose. Ah ouais, d'accord. Et elle avait qui dans la voiture en fait? Bah, il y avait celle qui est là-bas, je crois qu'elle m'en veut toujours d'ailleurs. Ouais, je pense qu'elle t'en veut un peu encore. Ok, bon, du coup, tu rentres et tu leur dis de tout simplement que là je vais parler un petit peu avec mes abonnés et que tout simplement vous rentrez tous les trois dans la salle dans quelques minutes, d'accord? Ok. Ok. Bon, du coup, les amis, je pense qu'on a notre verdict. On va voir simplement si vous avez eu juste dans les commentaires pour voir si vous avez bien trouvé le personnage qui avait tué ces 4 personnages. Je crois qu'on a la réponse, les amis, c'est Lucas. En tout cas, on va savoir pourquoi il a fait ça, les amis, aujourd'hui. Et du coup, voilà, par contre, je suis curieux de savoir où est l'arme du crime, les amis. Du coup, on lui demandera simplement de nous le montrer et on verra s'il y a une petite raison. Ok, bon, du coup, vous pouvez venir, les trois petites personnes. Donc, c'est parti. Donc, on a Marcus, Lola et simplement Lucas. Voilà. Ok, du coup, je vous laisse mettre contre le mur. Ok, du coup, alors simplement, j'ai bien réfléchi. Les abonnés m'ont bien aidé, ils m'ont dit simplement ce qu'ils en pensaient dans les commentaires. Du coup, voilà, bien sûr, j'ai regardé que les personnes qui étaient abonnées, qui avaient liké, les amis. Sinon, je regardais pas les commentaires de personnes qui n'avaient pas liké la vidéo. Du coup, là, c'est parti. Donc, voilà, les amis, n'hésitez pas à mettre vos petits likes, ça fait plaisir. Du coup, j'ai allumé la caméra, hop, pour filmer tout ça. Du coup, je vous dis la personnage, simplement pour moi, qui est le coupable. Ça serait. Lucas, c'est toi, Lucas, qui a tué les 4 personnages. Oui, c'est moi, il voulait pas me donner mon goûter. Quoi? Ok, alors ici, explique-nous, pourquoi, qu'est-ce que t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Ben, je l'ai fait parce qu'il voulait pas me passer la chocolatine. Je devais manger avec eux et ils ont pas partagé et du coup ça allait un peu trop loin. Mais eux, ils appellent ça chocolatine, ils appellent ça pain au chocolat. Peut-être ça les a énervés aussi. Ben, ils appelaient ça pain au chocolat, mais ils comprenaient pas quand c'était chocolatine. Ah bah les amis, voilà, Lucas en fait a demandé simplement un pain au chocolat simplement à ses amis pour le goûter. Sauf qu'il a appelé ça une chocolatine et du coup, vu que ses copains ne connaissaient pas ce mot, les amis, ne savaient pas ce que c'était. Et bien simplement, ils lui ont dit qu'ils en avaient pas. Et du coup, simplement, Lucas voyait ses copains manger des pains au chocolat et simplement, il voyait que simplement, ils en avaient, les amis. Sauf que vu qu'il avait changé le nom, et bien simplement, ses amis n'ont pas compris. Et du coup, Lucas s'est énervé, les amis, et les a tués. Oh, du coup, c'est vraiment grave. Mais attends, mais du coup, Lucas, elle est où l'arme du crime du coup? Tu veux que je t'y amène? Elle est vers la Pat Patrouille. Vas-y, on va y aller. Bon, du coup, Marcus et Lola, désolé du dérangement. On se dit à la prochaine. Du coup, vous pouvez passer par la porte, je vais vous ouvrir. Hop, c'est parti. Ok, merci. Ok, les amis, du coup, c'est parti. On va relâcher Marcus et Lola. Hop, ok, vas-y, sortez. Marcus, Lola, merci. Voilà. Lucas, t'attends un peu ici là, vite fait. Ok, bon, du coup, Marcus, Lola, venez vers moi. Je vais vous sortir ça. Hop, c'est parti. Alors, hop, voilà. Du coup, les amis, c'est bon. Ils me suivent, les amis. On va aller sortir dehors. Du coup, voilà, la sortie est par là-bas encore. Désolé du dérangement et faites très attention. On sait jamais, hein. Allez, merci. C'est parti. Alors, attendez, hop. Voilà, c'est parfait, les amis. Bon, du coup, maintenant, on va aller simplement voir les amis Lucas et on va simplement voir avec lui où il a caché l'arme, les amis. Et ensuite, on va l'enfermer en prison. Bon, du coup, Lucas, tu viens avec moi, tu me suis? D'accord, je te suis. Allez, c'est parti, Lucas. On va aller voir simplement où tu as caché l'arme du crime. Je suis très curieux de savoir, les amis. Du coup, c'est parti. Allez, on descend. Du coup, alors, il faut que jamais nous, là, Lucas. Il faut qu'on aille à la patte patrouille.
Ok, donc il faut qu'on aille devant la tour. Devant la tour des pas de patrouille. Ok, mes amis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait encore vers la pas de patrouille. J'espère qu'il n'y a pas d'autres morts. Bon, du coup, c'est parti, les amis. On va à la tour des pas de patrouille. Ok, c'est bon, j'ai ma voiture, les amis. C'est parti pour la pas de patrouille, les amis. On va voir ce qui s'est passé. Mais du coup, Lucas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu les as tués parce que tu t'étais énervé? Bah oui, quand on veut pas te donner ton goûter, ta faim, tu t'énerves. Bah non, tu vas aller chercher un goûter, je sais pas, chez ta maman ou un truc comme ça et tout. Après, s'ils veulent pas te donner un goûter, c'est leur avis, hein. T'sais, s'ils ont pas envie de donner, ils te veulent pas donner, c'est eux qui choisissent s'ils veulent te donner ou pas, mon petit Lucas. Mais bon, c'est pas grave, on va, c'est quand même grave, tout simplement parce que t'as tué tes collègues. J'espère en tout cas qu'on va trouver un moyen pour les ressusciter, les amis, et les remettre en vie. Parce que là, sinon, ça va être un peu difficile, en tout cas, vu que t'as fait une bêtise, tout simplement, vu que t'as tué, que c'est pas bien de tuer, c'est interdit, etc. Et que vraiment, c'est un truc de très très mal. Et bien, simplement, les amis, on va du coup s'occuper de Lucas et le mettre simplement en prison. Du coup, je sais pas si je peux passer par là, les amis, je suis en train d'essayer de passer. Hop, attention, les amis, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Allez, j'ai pas l'impression qu'on va y arriver, hein. J'ai pas l'impression qu'on va y arriver, les amis. Bon, du coup, on va devoir faire le tour, je pense. Je veux pas avoir le choix de faire le tour. Ok, attention, 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 attention. Ok. Ok, les amis, ok, on va peut-être y arriver. Oh, nice, nice. Ok, on a coupé un peu la route, les amis. La patte patrouille est juste ici. Du coup, c'est parti. Hop, ok. Du coup, voilà, c'est bon. On est devant la patte patrouille. On sort de la voiture. Du coup, alors, Lucas, même, dis-moi où c'est là. D'accord. Alors, suis-moi, c'est par ici. Ok, je te suis. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Juste ici. Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Alors, attendez, hop. Ok, il y a un coffre. Oh, c'est l'arme avec laquelle tu les as tués? Oui, je voulais accuser la patte patrouille. Oh là là, les amis. Oh, ok, bah tu sais quoi? Bah, pff, les amis, je voulais lui mettre une peine un peu plus longue, le mettre en prison un peu plus long, mais simplement, vu qu'il m'a dit où était l'arme, ça veut dire que simplement, il voulait être honnête, les amis, vu que simplement, il sait très bien qu'on sait que c'est lui qui l'a tué. Bon, du coup, les amis, c'est les abonnés qui vont décider. Est-ce que on va, bah, tu sais quoi, on va le mettre en prison déjà tout de suite. Allez, Lucas, remonte dans la voiture, c'est parti. D'accord. Allez, tu vas me ramener chez moi? Oui, voilà, on va te ramener chez toi, les amis. Pas du tout, on va le ramener en prison, les amis. Du coup, c'est parti, on va te ramener chez toi, Lucas. Hop, parce que. Ah. Ouais, ça fait plaisir, simplement. Tu nous as dit comme quoi où était la voiture, etc. Par contre, la voiture, elle a pris de sacrés dégâts, les amis. Hein. Bon, du coup, c'est parti, hop, les amis. On va tout droit, les amis, à la maison de Lucas. C'est à droite, ma maison. Ah oui, Lucas, mais ta nouvelle maison, maintenant, ça va être la prison. Quoi? Bah, Lucas, t'as tué 4 personnes, c'est normal. Mais en tout cas, Lucas, t'inquiète pas. Je vais proposer un truc aux abonnés là en fin de vidéo dès qu'on va arriver à la prison. Et on verra, c'est les abonnés tout simplement qui vont faire en sorte que si tu peux tout simplement, s'ils veulent vraiment te revoir dans des prochaines vidéos, ils vont simplement te libérer parce qu'ils savent que simplement t'as tué tout simplement 4 personnages. Mais les 4 personnages vont pouvoir respawn, les amis, vu qu'on est sur un jeu. Mais en tout cas, voilà, juste parce que c'est pas bien, on va voir combien les abonnés de temps ils veulent que tu restes en prison. Du coup, c'est parti, les amis. Hop, on va se garer juste là. Ok, du coup, allez, sort. Moi, de toute façon, j'ai une arme, les amis, maintenant. Ok, allez, c'est parti. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, c'est parti, plus vite. Ah. Ok, bon, du coup, les amis, j'ouvre la porte. Allez, hop, attention. Voilà, nickel. Bon, du coup, la prison, c'est juste ici. Allez, tu rentres dedans. Hop. Et c'est fermé, les amis. Voilà. Bon, du coup, les amis, Lucas est enfermé. Du coup, les amis, qu'est-ce que je vais vous demander? Simplement, regardez, Lucas, pour l'instant, il va être enfermé un jour. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, les amis, il sera enfermé. Si vous voulez tous des vidéos encore avec Lucas, parce que je sais que vous adorez Lucas, les amis, il va falloir mettre le plus de likes possible sous la vidéo. Mais il va pas falloir mettre plus de likes, les amis, il va falloir mettre plus de likes, plus de commentaires, les amis. Vous me dites pourquoi vous voulez qu'on libère Lucas, les amis. Vous me donnez une bonne raison de bien libérer Lucas, parce qu'il est gentil, parce qu'il est drôle, parce que vous aimez bien les vidéos avec lui, etc. Et simplement, il faut simplement aussi être bien abonné, avoir mis le like. Et les amis, il faut partager au moins à 2 amis à vous pour que simplement eux aussi me disent pourquoi simplement ils veulent que Lucas reste dans les épisodes. En tout cas, voilà, tu penses que Lucas, les abonnés vont t'aider? J'espère, il faut qu'ils mettent la cloche, qu'ils s'abonnent, qu'ils like. Ouais, bah ça c'est sûr, mais après il faut aussi qu'ils mettent un commentaire pour dire simplement pourquoi les amis libérer Lucas. En tout cas, voilà les amis, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir, on va prendre la voiture et on va rentrer chez moi. Lucas est en prison, je vais aller voir devant chez moi s'il n'y a pas le Captain Dog qui va peut-être m'attendre, les amis. Et on va lui dire simplement qu'on a trouvé le tueur et le Captain Dog, les amis, s'occupera simplement du délinquant, c'est-à-dire de Lucas, les amis. Ok, du coup c'est parti, je prends ma petite voiture, les amis, là c'est direction la maison, je vais bien sûr aussi donner, les amis, là, bah du coup, log. Du coup, c'est le nom de l'arme, les amis, qu'on a trouvé chez simplement Lucas dans la patte patrouille. Et tout simplement, on va le donner au Capitaine Dog. Et on va lui dire que c'est avec cette arme, les amis, qu'il a tué les 4 personnages. Du coup, ça va être un peu grave. Et il faudra aussi, j'espère, que Capitaine Dog s'est chargé, les amis, de nettoyer la scène de crime. Ou en tout cas, qu'il le fera cet après-midi. Donc, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ok, il est là, les amis. Ok, il est là, les amis. Super, il m'attend. Hop là. Salut, monsieur Capitaine Dog, ça va? Ah, Boris, comment tu vas? Ça va super bien. Bon, du coup, monsieur Captain Dog, j'ai mené mon enquête. Du coup, il y avait bien les 3 personnes, du coup, Lola, Marcus et simplement Lucas. Du coup, j'ai résolu l'enquête et simplement j'ai trouvé, avec les abonnés qui m'ont bien aidé dans les commentaires et dans les likes et dans les abonnements, en fait, on a trouvé, du coup, devinez qui c'est, monsieur le commissaire Dog, allez, devinez. J'aurais dit Lola. Non, c'est pas Lola.
Ah bon? Non, non, c'est pas Lola. Et c'était qui? C'était Lucas qui avait tué simplement le les 4 personnages. Et du coup, vous voulez savoir avec quelle arme il a tué les 4 personnages? C'était bien une arme avec des balles. C'est incroyable. Ah, au moins une chose, ok, j'avais raison. Ouais, voilà, ça vous avez raison. Et du coup, tiens, je vous donne l'arme, les amis. Du coup, alors c'est ça, monsieur Captain Dog, c'est une arme simplement, c'est une Hog. Et c'est avec ça qu'il a tué, du coup, toutes les personnages, du coup, qu'il a tué. Il a tué qui? Chase, Lola, les amis, il a tué. Julia et Taz, voilà, c'est ça les amis, c'est Chase que je m'en souvenais pas tout à l'heure. Bon, du coup, voilà, monsieur Captain Dog, est-ce que ma mission est terminée ou pas pour aujourd'hui? Oui, t'as réussi, c'est incroyable, merci beaucoup. Ok, du coup, je l'ai simplement enfermé dans la cellule juste à gauche quand vous rentrez dans la prison, d'accord? D'accord, nickel, bon, okay. Parfait, je vais aller le rejoindre pour le surveiller. Ok, pas de soucis, merci Captain Dog. Et simplement, par contre, il y a les abonnés qui vont peut-être me dire dans les commentaires qu'ils veulent peut-être libérer Lucas, du coup, à mon avis, je sais pas, mais Lucas, il va falloir peut-être qu'on le libère dans pas très longtemps, donc vous le surveillez, vous lui mettez un petit coup de pression en lui disant que c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait. Les abonnés, de toute façon, ils vont le punir dans les commentaires, ils vont lui dire Lucas, c'est pas bien, etc., mais on veut te revoir et tout. Du coup, voilà, ils vont quand même lui dire, t'inquiète, Lucas, on va te libérer, mais ils vont lui faire comprendre que c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait. En tout cas, voilà, Lucas, le commissaire Doc, je compte sur toi pour lui faire la morale et simplement, on se retrouve pour une prochaine fois, d'accord? T'en fais pas, je vais m'en occuper. Allez, ciao ciao, commissaire Doc. Ciao. Ok, bon, les amis, commissaire Doc simplement va se rendre à la. Au commissariat, à pied, les amis, regardez. Regardez, il est en train de marcher à pied, les amis. Bon, il a de la foi, il a pas de véhicule, commissaire Doc, j'ai l'impression. Je crois que toutes les motos de la police, les amis, sont simplement utilisées par d'autres policiers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Simplement, la petite recherche, les amis, la petite, les amis, inspection pour savoir qui était le tueur aujourd'hui. C'était plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé, surtout avec la nouvelle miniature, etc. En tout cas, voilà, si vous avez aimé la vidéo, la miniature, etc., n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, de likes et simplement d'abonnements si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi tout simplement dans les commentaires si vous êtes un nouveau sur la chaîne YouTube, les amis. Et voilà, en tout cas, voilà, il y a mes chaînes secondaires dans la description, du coup, Awacraft, Carlos Alien, etc., si vous voulez aller voir, les amis. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de vidéos, je sais pas s'ils referont des vidéos, mais en tout cas, pour l'instant, il y a des vidéos dessus. Si vous les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les voir. Et nous, on se dit à la prochaine, les amis. Il y a 2 vidéos qui s'affichent tout de suite à l'écran, n'hésitez pas à cliquer dessus ou à aller voir ma chaîne YouTube, il y a plein d'autres vidéos. Et du coup, c'était Awariz, ciao tout le monde.